au début, on va dire que je le faisais, c'est des petites commandes que je faisais pour des amis et des restaurants en fait qui me contactaient parce que ils avaient vu mes publications sur le net. Et au fil du temps, ça a commencé à prendre un peu d'ampleur, puisqu'on a des gens qui nous contactent même du Canada, de l'Europe, des États-Unis, pour qu'on puisse leur faire ces couverts et vaisselles en voile. La passion est devenue un métier. Puis comme ça marche bien, on s'est dit, mais pourquoi ne pas moderniser? Au lieu que ce soit un peu, vous voyez, les modèles basiques qu'on voit là, j'ai décidé de moderniser ça et de faire ça plus joli, que ça prenne un peu la forme des coupes de plats actuelles qu'on voit là. Voilà, en ce moment c'est plus tendance, c'est plus joli et puis bon, ça donne envie quoi. J'ai créé une page sur Facebook et c'est de là que tout est parti. En créant la page, chaque fois qu'on faisait une production ou une reproduction d'un plat, d'un couvert, moi je publiais sur la page. Et donc, les gens ont commencé à s'abonner sur la page et c'est de là que tout est parti. Et j'ai dit, mais tiens, étant donné qu'il y a de l'engouement, il y a de l'intérêt, pourquoi ne pas en faire un métier? Et donc, c'est parti comme ça. Et j'ai commencé à recevoir mes premières commandes et à les exécuter. Voilà. Donc, c'est avec les soupières là qu'on a démarré. À peine 10 000 francs pour faire le lot de soupières, de 10 000 à maintenant des centaines de milliers de commandes qu'on reçoit. Donc je pense quand même qu'on a, fait notre petit bonhomme de chemin. Généralement les vendeuses de Dolo, à Bobola, vous allez voir qu'elles ont du stock de bois. Nous on se fournit généralement avec elles. Voilà, donc on commande du bois de Côte d'Ivoire pour faire certains types de plats particuliers. Et ça, c'est à la demande du client, quand il exige que ce soit fait par du bois rouge, par exemple. Pour faire, par exemple, ce plat que vous voyez, vous allez mettre une semaine, par exemple. Une semaine pour faire que ça. Parce qu'on travaille à la main, c'est manuel. Voilà. On n'a pas encore les moyens d'acheter des machines qu'on appelle des tours. Puisqu'avec les tours, là, vous pouvez tailler, donner la forme rapidement. 90% de notre clientèle, c'est les hôtels, les restaurants. On a des particuliers qui nous commandent ça, mais bon, généralement, on va dire c'est des personnes, on va dire étrangères. Maintenant, les Burkinabés, très peu sont vraiment intéressés par ce type de vaisselle-là. Vous pouvez commencer une activité qui ne suscite aucun intérêt, hein. Simplement parce que vous n'avez pas trouvé votre cible qui est intéressée par cette activité-là. Mais une fois que vous trouvez la cible, vous-même vous êtes complètement débordé par les commandes jusqu'à vous en sortez même pas. Entreprendre, c'est une manière de développer une passion pour la rendre accessible au grand nombre. Il y a des périodes où vraiment vous n'avez pas de commandes, rien du tout, vous ne comprenez même pas ce qui vous arrive, vous voulez baisser les bras. Et puis après, vous regardez le petit parcours que vous avez fait et puis vous dites, mais c'est mieux de s'armer de courage et de patience quand même, parce que dans toute activité que vous allez entreprendre, ça ne sera pas toujours, on va dire, des commandes à n'en pas finir. Voilà, il y aura, on va dire, des périodes de pic commandes et puis ensuite des périodes mortes. Donc je pense que les périodes mortes, là, nous on utilise ça pour voir ce qu'on peut créer. Et dès qu'il y a une opportunité, ben, on présente ça et puis bon, voilà, pour profiter de l'opportunité. Ceci est une publication de Infowa4.net et d'entreprendrefaso.com dans le cadre du projet Ecomédia avec l'appui de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso.